Comme vous m'avez tous demandé, je vais vous montrer aujourd'hui une annonce parfaite sur eBay, donc super bien optimisée, c'est ce que j'appelle parfaite, mais je vais vous la montrer, où on dirait bon, presque parfaite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, je vais commencer directement. Voilà, je l'ai déjà sélectionné. Vous voyez, je suis sur eBay.fr et j'ai donc trouvé cette annonce. Vous voyez, donc c'est les 8 poupées LOL surprise de ce vendeur ici-là, qui a plus de 10 000 évaluations. Alors, bon, pourquoi je dis presque parfaite, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, le titre. On va commencer étape par étape. Le titre, vous voyez, il m'a l'air assez bien optimisé en apparence. Après, on peut toujours l'améliorer. Ben, on va vérifier le nombre de caractères utilisés. On sait qu'on a droit à 80 caractères pour pouvoir être parfait. Alors voilà, je l'avais déjà collé ici. Je le colle ici, voilà. Donc, il y a écrit 71 caractères. Je suis allé sur un outil qui s'appelle charactercountonline.com et ça vous dit exactement le nombre de caractères. Donc vous avez 71, donc il reste 9. Vous voyez, il a mis bonne nouvelle, APC, LOL, surprise, poupée, jouet, cadeau. Bon, aveugle, je l'enlèverai. On va mettre, je sais pas moi, fille par exemple, mystère, c'est bien, figure, bon, c'est en anglais. Donc figurine, il en manque 71, moi je rajouterai, vous pouvez rajouter 9, pourrais-je rajouter FR. Vous pouvez rajouter aussi. Bon, jouer, il y est déjà. Vous pouvez rajouter lot. Un lot. Voilà, lot 7. C'est des mots-clés pas mal. Donc voilà, 79, c'est bon, on peut pas faire plus. Donc voilà, jusqu'aux 80 caractères. Voilà, le titre, il n'était pas exactement parfait, mais il en avait 71 sur 80, c'est plutôt bien. Et il a optimisé comme il a pu, mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, là, je l'ai amélioré. C'est comme ça qu'on pourrait l'améliorer. Donc un titre plutôt optimisé, je dirais bien, pas mal. Bon, neuf, bien sûr, c'est bien. Les photos HD à fond blanc, il en a mis 3 minimum, bon, il en a mis un paquet, donc c'est parfait. Il en a vendu 231 et il en a mis 3 en stock, donc il a vraiment créé l'urgence. Vous voyez, il y a un message rouge ici qui dit qu'il en a déjà vendu 231, il n'en a que 3 en stock. Donc forcément, le ratio par rapport au nombre de vendus est vraiment faible, donc c'est parfait, c'est comme ça qu'on crée l'urgence. Il a mis une livraison gratuite, parfait, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Retour sous 30 jours, parfait, c'est ce qu'il faut faire encore une fois. Bon, après, ces évaluations ne sont pas tip-top, à mon avis, c'est dû à son service client, parce on va regarder qui c'est, et on va se rendre compte que c'est un vendeur chinois, bien évidemment. Voilà, il manque un petit peu de livraison, il a eu des problèmes, bon, il a eu quelques évaluations négatives sûrement dues à son service client. Donc, c'est un vendeur chinois qui a. Bon, il a mis lieu France, bah, en fait il est en Chine. Donc, vous voyez, de 4 au 8, on est le 26 juin à l'heure où je filme la vidéo, donc du 4 au 8, bien évidemment, vous allez comprendre qu'il a mis, comme je vous apprends dans la formation, autre mode d'envoi, donc c'est du 3 à 5 jours en général, plus 3 jours ouvrables de délai d'expédition. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Pour pas se faire flaguer, pour pas se retrouver en bas des résultats de recherche, il a mis France. Livraison France, il a mis autre mode d'envoi, comme je vous l'apprends, donc la livraison est parfaite, elle est gratuite. Allez, pourquoi je dis qu'elle est presque parfaite? Bon, pas tout d'abord parce que le titre était pas. Il y avait. Vu que c'est des Chinois, en général, ils gèrent pas trop le français, ils utilisent des traducteurs automatiques, donc nous, comme on est français, on peut toujours améliorer ses titres. Donc on peut prendre le produit de chez lui et améliorer les titres, bien évidemment. Donc voilà. Donc le titre n'était pas exactement parfait. Bon, il a fait des variantes, le A et le B, donc ça va, c'est bien ça aussi. Vous voyez, il a ancré l'urgence parce que la deuxième en a qu'un en stock, donc c'est pas mal. Puis, bon, les évaluations, bon, je pense qu'il s'est fait tailler parce que c'est un Chinois, bon, bref, voilà. Le prix est plutôt attractif, ça va. Livraison gratuite, ça va. Et pourquoi je dis qu'elle est presque parfaite? À cause du titre pas optimisé, mais aussi le fait que ce produit-là, bon, c'est un produit contrefaçon. Donc c'est un Chinois, les trois quarts du temps quand ils vendent des jouets, que je vous l'ai dit, je vous ai mis au courant dans une autre vidéo, que les produits jouets, souvent sont des contrefaçons venant des vendeurs chinois. Il faut juste se méfier. Voilà. Donc ça c'est un produit contrefaçon. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège. Surtout les jouets LOL, bon c'est une marque où il y a énormément de contrefaçons, il faut juste se méfier quoi. Mais généralement, il a fait du bon boulot. Alors en fait, j'ai pris ce vendeur spécifiquement pour vous montrer l'exemple de la contrefaçon. Et surtout,
pour bien comprendre que les Chinois sont toujours en avance sur nous, des dizaines d'années-lumière en avance sur nous. Et c'est sur eux que j'ai appris, en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, j'ai appris d'eux. J'ai appris des Chinois. C'est en fait eux qui m'ont en gros formé de manière indirecte, parce qu'ils ne savent pas qu'ils m'ont formé. En fait, quand j'étais sur eBay, je connaissais pas grand-chose. J'ai commencé à chercher des produits à basse valeur, des produits bon marché et tout ça, et je suis tombé sur les vendeurs chinois. Après, bon, faut savoir faire le tri entre ce qui est bon et pas bon, le contrefaçon ou pas, la mauvaise qualité ou pas. Bon, ça, c'est notre sujet. Mais j'ai appris d'eux, en fait. Ils ont toujours optimisé leurs produits au maximum. Ils ont toujours eu beaucoup plus de 3 photos, toujours eu des prix attractifs, toujours mis des objets neufs, créé l'urgence tout le temps. Ils ont toujours mis une livraison gratuite, toujours mis remboursement sous 30 jours. C'est carré. Après, bon, ils ont des profils plutôt pas mal. Hein. Il faut quand même, bon, même s'il a 95,7, il a quand même plus de 10 000 évaluations, ce qui est assez énorme. Donc voilà. Et après, bon, la description, j'en ai pas vraiment parlé parce que c'est pas si important que ça. Mais voilà. Il a une description, comme je vous ai dit, basique. Il a quelques lignes où il a mis le plus important. Ça a dû le pomper d'AliExpress, mais voilà, regardez. Conditions, voilà, il a mis ce qu'il fallait, neuf, haute qualité, ce que c'est un jouet, les dimensions, le matériel, emballage. Voilà, c'est suffit une formation basique, quoi. Les informations basiques, une description basique avec les informations qu'il faut. Donc voilà. Donc c'était exactement comme ça que j'ai appris, en fait. Je me suis inspiré des vendeurs chinois parce que c'est les meilleurs, c'est eux qui génèrent le plus d'argent. Qu'ils ont des entrepôts en France ou pas, ils se gavent, ils sont largement dans le futur. C'est pour ça que j'adore m'inspirer d'eux, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment l'annonce que je trouve parfaite ou presque. Presque parfaite. C'est pour ça au début, si vous ne savez pas vraiment comment réussir, comment faire, bon, ben, suivez mes vidéos, mes stratégies, rejoignez ma formation, mais aussi inspirez-vous des gens qui cartonnent, des gens qui réussissent, des vendeurs qui ont énormément de chiffres d'affaires, de ventes et qui sont vraiment toujours très haut dans les résultats de recherche. C'est comme ça que vous allez apprendre en les copiant, en vous inspirant, vous allez apprendre à être au top. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de vendeur chinois. Voilà, c'était l'annonce parfaite ou presque, parce que j'ai toujours pu trouver et corriger 2-3 points qui y avaient amélioré. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like, partagez, commentez, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!